s'est retirée aussi vite qu'elle était montée. Elle laisse derrière elle des paysages de désolation. Nous ferons un point global dans quelques instants. Et c'est donc avec ces nouvelles images des inondations dans l'Aude que l'on ouvre ce journal. Un pont s'est effondré, des routes sont éventrées partout, de la boue. Bienvenue sur les Explore Games. Notre mission est d'alerter les gens sur l'impact du réchauffement climatique. Maintenant, Salvador, votre mission est de survoler la zone qui a été inondée en octobre 2019. Nous survolons la Dure. Sur la gauche, on peut voir l'enrochement qui permet maintenant de maintenir la berge. La crue a emporté les troncs et les berges, coupant l'accès au collège pendant un mois. En automne 2018, à cause du CO2, l'évaporation de la Méditerranée s'est transformée en air chaud et humide qui, en montant, a rencontré les vents froids venant du nord. En se rencontrant, ils ont créé de gros nuages d'orage provoquant de grosses pluies. L'aquarium représente la Terre. Au-dessus, la couche de cellophane représente le CO2. Notre rayon infrarouge représente les rayons du soleil renvoyés par le CO2 vers la Terre, causant en partie le réchauffement climatique. L'eau chaude dans le bocal représente la chaleur dégagée par la Terre. Notre cellophane représente le CO2 qui retient la chaleur. Lorsqu'on retire le cellophane, la température de l'air chute. Docteur Adou, repérez les indicateurs du réchauffement climatique. Premier indice du réchauffement climatique, la présence d'éphémères et de perles. En aval de la pierre, ensuite je soulevais la pierre. Les insectes présents nous indiquent la qualité de l'eau. Si nous avions seulement des moustiques, des acelles ou des libellules, la qualité de l'eau serait moyenne. Or, nous avons des perles, peu nombreuses mais présentes. La diminution des perles est donc un indicateur du réchauffement climatique. Dans la gestion d'une forêt, en fait, on tient compte de trois enjeux. L'enjeu économique, l'enjeu social et l'enjeu environnemental. Au niveau environnemental, on a déjà parlé tout à l'heure, la forêt permet entre autres de capter le CO2 de l'atmosphère et de le stocker dans les troncs des arbres. Mais elle a aussi un rôle au niveau protection des sols. Le système racinaire des arbres a aussi un impact. Il permet d'ancrer le sol et d'éviter l'érosion des sols, peuvent être dus soit à des pluies torrentielles ou rien qu'au lessivage par la pluie. On a la deux pots, celui avec la plante et celui sans plante, au-dessus de l'aquarium. Et on va verser la même quantité d'eau dans chaque pot et voir du coup si la plante a un rôle sur la tenue du sol. On voit que dans l'aquarium où il y a le pot avec la plante, il y a beaucoup moins de terre que dans celui où il y a le pot sans plante. Ce qui signifie que les racines de la plante ont tenu la terre. Ouais, on a mis dans ce pot de confiture une plante dans un milieu humide
avec de la lumière pour favoriser les échanges d'oxygène et de CO2. On a un oxymètre pour mesurer les échanges. On voit par exemple là, il y a 19% d'oxygène dans l'air, en gros. Et on a vu que si on mettait l'oxymètre, que l'endroit soit clos, le taux allait progressivement monter. Dans une plante, les échanges se font sur la feuille, sur l'estomac, qui sont situés sur la face inférieure de la feuille. C'est là. Le CO2 entre. De l'oxygène. Et de l'eau en sort. Duration and repeat.